Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ma consultation de groupe Kilo Émotionnel et Motivation. J'espère que vous êtes en super forme et motivée. J'espère également que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Je suis désolée, j'ai oublié mes écouteurs aujourd'hui, donc du coup, vous pourrez pas. Le son sera peut-être moins bon que d'habitude. Veuillez m'en excuser par avance. Alors, je vais pas commencer par souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Vérifiez également que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à me confirmer que tout est bon niveau son et niveau vidéo et je vais attaquer. Donc, normalement, voilà, j'attends votre confirmation et je vais venir dire bonjour aux nouveaux. Alors, les nouveaux membres aujourd'hui, qui est-ce qui est là? J'ai Christine qui est en semaine 3, j'ai Michel en semaine 3, j'ai Bernadette qui commence la semaine prochaine, qui est en semaine découverte. J'ai également Chris Cole du 56, donc du Morbihan qui est en semaine 2. J'ai Kefria semaine 4. Véro semaine 1. Jonathan semaine 1. Nadine également en semaine 1. Catherine en semaine de découverte, donc qui commence lundi prochain. Yveline semaine 2. J'ai Jupron, donc Kiscolette semaine 0. Également 166 semaine 0. Linda semaine 4. Donc ça, ce sont tous les nouveaux membres qui se connectent. Pour cette consultation du jour, j'ai encore oublié Canelia, Françoise, Linda et Anaïssette. Donc, j'espère avoir cité tout le monde pour les nouveaux membres. Bienvenue également aux membres VIP. Donc là, aujourd'hui, j'ai qui? J'ai Souris, j'ai Anso, j'ai Hugues. Bonjour Hugues, Monique, Sandrine, Marie-Hélène, Cello, Vermillon. Vous êtes de plus en plus nombreux, même malgré les vacances scolaires. J'ai Yéyen, Melbéa, Elisabella, Cathy, Brigitte. Et encore quelques-uns que je vais citer, puis après je vais arrêter, hein, sinon on va citer tous les prénoms pendant une heure. Pascal qui est également là, j'ai JP Marin, Dimzi, Monique. Eh bien écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir. Et bienvenue à tous les autres membres également pour cette consultation Kilo Émotionnel Motivation qui a lieu tous les mardis à 13h, notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous êtes en super forme. Alors, vous connaissez ma question de départ hein, pour savoir un petit peu votre morale, où est-ce que vous en êtes niveau motivation, etc. Donc, sur une échelle de 0 à 10, où vous situez-vous? Est-ce que vous avez un moral au top et auquel cas vous mettez un 8, 9 ou un 10? Ou bien, si j'ai déjà vu quelques notes déjà arriver, vous avez peut-être un moral un peu plus bas. Moi, mon objectif de cette consultation, ça va être vraiment de vous booster, de vous donner des clés, de vous donner des énergies positives pour qu'à la fin de la consultation, vous ayez un score plus élevé. Alors, j'en suis où? Je vais venir vous lire. Donc, j'ai Canelia qui est à 7 sur 10. Momo, on va essayer d'augmenter 6 sur 10. Alors ici, j'ai 0, j'arrive pas à voir le pseudo, mais on va vous augmenter tout ça. J'ai Laure qui a 7, j'ai Vaugrémo Claire qui a 9, j'ai 9 pour Elisabella aussi, j'ai 10 pour Michel, 10 pour Yveline, donc ça c'est super. 3, on va augmenter tout cela. Sandrine, Daniel 7, Catherine 8, donc Dimzi 7 sur 10, 10 sur 10 pour Yvette. Première visite pour moi, très jolie Delphine, merci Françoise, c'est très gentil. 10 sur 10 pour Sachout, encore des 10, bah écoutez, très motivée malgré peu de résultats. On va voir ça ensemble, j'ai plus 56 également du Morbihan qui a 10 si je vois bien. J'ai Hélène 7, 10, donc voilà. Bah écoutez, Vermillon, je vois un petit 3, on va essayer de passer la moyenne à 5 sur 10 ou 6 à la fin de la consultation. N'oubliez pas, à la fin de la consultation, vous le savez, il faudra que je vous repose la question pour justement voir ensemble si vous avez progressé et si vous avez boosté votre score motivation, satisfaction. Alors, comment ça se passe pour les nouveaux membres, ceux qui ne me connaissent pas? Alors, moi, je fais toujours un petit atelier d'une dizaine de minutes. Je suis vraiment assez bavarde. Au début de l'atelier, je vous représente qu'est-ce que les kilos émotionnels, un petit rappel. Donc, si vous vous retrouvez dans les kilos émotionnels, dans l'alimentation émotionnelle à cause du stress, de l'ennui, si les émotions vous font grignoter, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est vraiment la consultation du jour, la consultation de la semaine qui en parle. On fait aussi un atelier en fonction de différents thèmes. Donc cette semaine, ça va être l'estime de soi. Comment booster son estime de soi? Comment apprendre à s'aimer davantage? On en avait parlé la semaine dernière. Donc je vais vous donner 10 conseils sur justement comment mieux améliorer son estime de soi. Pendant ce temps-là, vous allez également interagir dans le chat, hein, c'est important. Vous entraider, me poser les questions et moi je viendrai lire vos témoignages, répondre au maximum de questions en rapport au kilo émotionnel, la motivation et puis si besoin aussi quelques questions nutrition. Mais pour rappel, les questions 100% nutrition, les questions 100% diététique, pour les nouveaux, là je m'adresse,
C'est le lundi avec la consultation qui est normalement avec Jean-Michel Cohen, le mercredi et le vendredi avec Lucie et Isabelle pour les consultations 100% diététiques. Et très bientôt, hein, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une petite surprise à la rentrée, vous aurez une nouvelle consultation diététique qui arrivera sûrement le jeudi au créneau du service abonné qui vous donne des conseils sur comment fonctionne votre programme actuellement. C'est le jeudi avec GMB et Morgane. Et à la rentrée, vous allez retrouver Claire pour une consultation 100% nutrition, 100% diététique. Alors, je vais de suite aller regarder quelques petits retours que je peux avoir de vous et puis après, je vais vous partager l'atelier du moment. Alors, j'ai Odeline qui me dit hier soir, je regardais en replay la vidéo. Alors oui, vous le savez, hein, si vous n'êtes pas à l'heure, si vous ne pouvez pas être à 13h en direct avec nous, parce que nous sommes tous les jours de la semaine, même au mois d'août, en 13h à 13h avec vous en direct. Donc, si vous ne pouvez pas, il y a les replays avec grand plaisir. Donc je merci beaucoup, j'ai des messages très positifs, c'est adorable. Donc voilà, merci pour la consultation sur l'estime de soi, bonjour à tous. Alors c'est parti, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer justement le petit document que je vous ai fait ce matin. Et je le partage, alors attendez, vous allez me dire si vous le voyez bien, vous allez la voir et on va le partager en grand. Voilà, normalement, vous l'avez sous les yeux, alimentation émotionnelle, 10 façons d'améliorer son estime de soi. Donc, regardez un petit peu ce dessin, ce schéma que j'ai choisi pour vous. L'estime de soi, il y a quatre piliers. C'est la confiance en soi, l'acceptation de soi, l'amour de soi et la vision de soi. Donc, ces quatre paramètres-là fabriquent l'estime de soi. Donc, c'est important d'apprendre à travailler sur soi, sur la confiance en soi, sur apprendre à s'aimer. Et ça, ça peut prendre le temps d'une vie. Hein. En tout cas, arrêter de se dénigrer, de s'envoyer des messages négatifs. On en reparlera tout à l'heure. La vision de soi. Donc justement, comment je m'aperçois dans le miroir quand on est en période amaigrissante, quand on est en période de perte de poids, on a vraiment également une vision de soi qui va changer normalement. Donc il faut également s'accepter et réussir à rechanger la vision de soi qu'on peut avoir par rapport au miroir. Donc, alimentation émotionnelle, 10 façons d'améliorer son estime de soi, c'est parti. Mais avant de commencer, pour les nouveaux, vous le savez, je fais toujours un petit récapitulatif sur qu'est-ce que les kilos émotionnels. Alors, nos émotions, ils ont un impact sur notre alimentation. Elles peuvent nous pousser vers certaines catégories d'aliments, nous faire manger davantage ou tout simplement dire à notre corps de stocker. Donc, qu'est-ce que c'est que les kilos émotionnels ? Eh bien, c'est le fait de se réfugier dans la nourriture pour se libérer d'une émotion qui peut être la tristesse, l'ennui, la colère, le stress, la solitude. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va y trouver du plaisir, un réconfort. Mais par la suite, ça va être très souvent suivi par une période de culpabilité parce qu'on aura donc du coup grignoté, on aura mangé sans faim. Et c'est ce que j'appelle, moi, dans mon jargon, les fameux aliments doudous. Les aliments gras et ou sucrés pour les femmes et les aliments gras et ou salés souvent pour les hommes. Donc ici, je vous partage le témoignage de Stéphanie qui justement, vous le savez, peut-être que Stéphanie est avec nous aujourd'hui en consultation en direct. Hein, c'est une nouvelle membre que je suis dans votre programme de coaching. Vous le savez, le premier échange que nous avons avec vous en tant que diététicienne, c'est racontez-nous l'histoire de votre prise de poids. Et ici, l'histoire de Stéphanie, elle nous dit « J'ai eu un choc émotionnel aussi, et j'ai pris conscience de mon envie de combler ou rassurer par du chocolat. Je comprends mon rapport à la nourriture, fatigué ou contrarié. » Donc voilà, donc ça c'est un exemple de témoignage de Stéphanie. C'est bien déjà d'en prendre conscience et par la suite de justement de trouver des solutions alternatives pour ne plus tomber dans ce refuge d'aliments doudou et trouver d'autres solutions qui ne seront pas l'alimentation émotionnelle. Alors, j'attaque. Premier conseil avant, déjà avant d'attaquer sur mon atelier sur les 10 façons d'améliorer son estime de soi, n'hésitez pas justement, c'est l'objectif également du chat, de partager à vous vos conseils entre vous. Quels conseils donneriez-vous, ça c'est la question que je vous pose aujourd'hui, et à répondre dans le chat, quels conseils donneriez-vous à une amie qui a du mal à s'aimer ? Mauvaise estime de soi. Donc partagez votre réflexion, vos idées, vos conseils dans le chat. Je lirai le maximum ou quelques retours, témoignages tout à l'heure après vous avoir montré donc les 10 façons d'améliorer son estime de soi. Alors, 10 façons d'améliorer son estime de soi.
La première façon, c'est votre posture. C'est vraiment important. Et là, quand je vous parle d'ailleurs, que vous soyez, je pense, assis ou debout, je pense plutôt assis, tenez-vous droit. Relevez la tête, tête haute et dos droit. C'est vraiment important. Notre posture, si je me porte mal, si j'ai mon dos pas droit, si je suis voûtée, je vais également avoir envoyé une mauvaise image de moi et j'aurai une mauvaise estime de moi. Donc vraiment, relevez-vous, levez votre tête et essayez de vous tenir droit au maximum. Ça, c'était également un conseil que j'avais donné dans un de mes articles et un de mes anciens ateliers. Comment gagner 3 kilos, comment perdre 3 kilos allez, en même pas 10 secondes, en 5 secondes, eh bien, se tenir droit. Hein? Si vous prenez une photo de vous-même, le dos voûté, si vous tenez mal, si vous avez la tête qui tombe, etc., avec le dos ravachi, alors que si vous prenez une photo de vous, vraiment le dos droit, la tête haute, en vous tenant bien, eh bien vraiment, non seulement ça va avoir une amélioration sur l'estime de vous-même, mais en plus, physiquement, vous aurez l'impression de peser moins lourd, de gagner des kilos en moins, en fait, tout simplement. Conseil numéro 2, connaître ses peurs et y faire face. Alors, est-ce que vous avez des peurs? N'hésitez pas à les partager si vous en avez envie dans le chat. Quelles sont vos peurs si vous en avez? Moi, je sais que j'ai beaucoup de membres qui vont me dire, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas réussir. Donc, il y a une mauvaise confiance, enfin, il y a un manque de confiance en soi. Et du coup, c'est vrai que moi, du coup, je les pousse en me disant, vous allez y arriver, on va y aller par étapes. Si vous avez 20 kilos à perdre, 30 kilos, eh bien, on va y aller par étapes de 5 ou 10 kilos. Vous inquiétez pas. Et du coup, il faut vraiment se faire confiance, croire en soi. C'est important. Donc, n'hésitez pas à partager vos différentes peurs si vous en avez envie dans le chat. Le conseil numéro 3, peut-être que vous allez vous retrouver dans ce conseil-là pour ceux qui ne savent pas dire non. Ah, j'arrive à parler. Ça y est, c'est parti. Vous êtes au courant qu'à chaque fois que je fais un atelier, au bout d'un moment, je bafouille. Bon, le conseil numéro 3, c'est savoir dire non quand on pense non. Donc, ne pas avoir peur, oser dire non et arrêter de dire oui tout le temps. Donc, savoir dire non quand on pense non, vraiment, c'est important pour vous. Conseil numéro 4, reconnaître ses succès et être fier de soi. Exemple, n'hésitez pas à me partager vos succès ou ce dont vous êtes fier de vous aujourd'hui. Donc, dans le chat également, vous pouvez me noter cette phrase, hein. Vous connaissez cet exercice qu'on fait très souvent ensemble. Je suis fière de moi car. Alors, je suis fière de moi, ça peut être une phrase que vous allez vous dire tous les matins au lever hein, pour avoir ce petit rituel positif chaque matin. En quoi vous êtes fière de vous? Eh bien, je suis fière de moi car j'ai appris à mieux manger, car aujourd'hui, je suis fière de moi car j'ai perdu 10 kilos et je continue d'apprendre à mieux manger. Je suis fière de moi parce que je marche plus que d'habitude alors qu'avant j'étais sédentaire. Je suis fière de moi parce que j'ai appris à limiter les grignotages. Je suis fière de moi tout simplement parce que j'ai appris enfin à cuisiner et à faire des plats simples maison, mais du fait maison. Je suis fière de moi. Enfin voilà, à vous de continuer. Là, c'est vrai que je vous ai donné des exemples sur vous êtes fière de vous par rapport à la nutrition. Il y a plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas vraiment à reconnaître vos succès et à être fier de vous. Conseil numéro 5, prendre soin de soi tous les jours. Vous le savez, je vous le dis aussi chaque semaine et chaque jour pour ceux que je coach, c'est important de prendre soin de soi. Donc, vous allez prendre soin de soi de par la qualité de votre assiette, de par le fait de se chouchouter, de s'envoyer des compliments. De prendre soin de soi, d'avoir du temps pour soi. Et ça, c'est vraiment important que vous ayez une grande famille, donc peut-être moins de temps à vous accorder si vous êtes une super maman. Mais en tout cas, essayez toujours de trouver au moins 15 à 20 minutes rien que pour vous. C'est important. Et cela, tous les jours. Conseil numéro 6, donner, partager avec les autres. Donc, le partage avec les autres, là, c'est ce qu'on peut faire également aujourd'hui via le chat. Hein, n'hésitez pas à partager vos réussites, à partager votre expérience, à partager ce dont vous êtes fiers et puis à vous entraider. En fait, il y a vraiment un effet de synergie dans cette communauté et c'est important de se le rappeler et de se le redire et de le voir, par exemple, à notre consultation atelier du mardi. Mais conseil numéro 6, donner, partager avec les autres.
Conseil numéro 7, s'auto-féliciter et s'encourager. Alors, ça revient un petit peu sur le conseil de tout à l'heure où je vous disais qu'il fallait reconnaître ses succès et se dire qu'on est fier de soi. Donc, s'auto-féliciter, c'est vraiment s'encourager. Voilà, je me félicite aujourd'hui parce que j'ai fait des progrès. Je me félicite cette semaine parce que j'ai progressé sur tel ou tel point. C'est vraiment important. Donc, le conseil numéro 8, s'accorder du temps pour faire ce que l'on aime. Donc, essayez de voir qu'est-ce qui vous rend heureux chaque jour, par exemple, ou chaque semaine ou chaque mois, et trouvez-vous du temps pour le faire. Accordez-vous du temps pour pouvoir peut-être faire une nouvelle activité créatrice, trouver du temps pour qu'est-ce qui vous rend heureux et qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc, s'accorder du temps pour le faire, c'est important. Conseil numéro 9, apprendre de nouvelles choses régulièrement. Ça, c'est aussi important. Alors, ça peut être par les livres, ça peut être par des sorties associatives, ça peut être, voilà, il y a beaucoup de choses, vous le savez, et apprendre chaque jour, chaque semaine, chaque mois, c'est important et ça permet aussi donc d'améliorer son estime de soi. Et mon dernier conseil ici, cesser nos dialogues internes critiques. Hein, par exemple, ceux qui vont la petite voix négative qui va nous dire au fond de nous, je suis nulle, j'y arrive pas, je me sens moche, je suis grosse, ah là là, je vois que les défauts dans le miroir, etc. Top. Regardez le petit dessin ici que je vous avais mis, que je vous ai mis. Si vous vous critiquez depuis des années et que ça ne marche pas, essayez de vous encourager et du coup, j'ai perdu et de vous féliciter et voyez ce que ça donne. Vraiment, c'est important. Donc, du coup, voilà, j'arrête de vous donner les 10 conseils. Je vais partir maintenant tout simplement à lire vos échanges avec grand plaisir. Donc, j'arrête le partage d'écran et je me retrouve avec vous. Alors, je vais reprendre du début, hein. Je vais reprendre du début, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Et je viens vous lire rapidement. Alors, qu'est-ce que je trouve? J'avais les notes. Alors, les notes de satisfaction. Et si j'ai une petite question? Alors, j'ai Claire qui me dit, bonjour, pourquoi dans la liste des équivalences, le poulet est cité à 3 reprises différentes avec des poids différents? Alors, c'est vrai que j'ai pas la liste d'équivalences sous les yeux. Je pense que c'est tout simplement le morceau du poulet qui doit être différent. Donc après, ne vous inquiétez pas, hein, le poulet, c'est environ 150 grammes de blanc de poulet en moyenne comme portion. Alors, je continue. C'était un peu une question nutrition plus à poser le mercredi, le lundi ou le vendredi. Alors, je vous cherche. Je n'ai pas le son, c'est normal. Je pense que les autres ont le son, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai Hugues. Bon, coucou Delphine. Bonjour Hugues. Bonjour à tous. De la chaleur, activité le matin. Après-midi au frais à la maison, morale 9 sur 10. Suite à la chaleur et à la non-activité, l'après-midi, tentation au grignotage. Donc, quand vous êtes tenté au grignotage et que j'ai bien compris que vous restiez chez vous parce que Hugues, vous êtes au sud, il fait très chaud, eh bien, tentez vraiment d'occuper votre esprit autrement. Donc, pourquoi pas vous mettre à l'écriture, pourquoi pas vous mettre à la lecture, au dessin. Enfin, voilà. Occupez-vous votre esprit autrement que par l'action d'avoir envie de grignoter. Et vous le savez, quand vous avez une envie de grignoter qui apparaît, faites la méthode des 10 minutes. Hein. Ça, je le redis également chaque semaine. Quand vous sentez que vous avez une envie de grignotage, la première question à se poser, c'est est-ce une faim ou est-ce une envie? Si c'est une faim, je pense que mon repas précédent n'était peut-être pas assez équilibré. Si c'est une faim, pourquoi pas mettre en place une collation intelligente en décalant, vous le savez, le fruit et le laitage d'un des repas pour le prendre en collation. Et du coup, si c'est une envie, eh bien, quelle émotion vous envahit? Est-ce que c'est l'ennui, la tristesse? Souvent, ça peut être l'ennui l'après-midi. Et du coup, tout simplement, occuper son esprit autrement. Donc, mettez-vous à la lecture, dessinez, appelez une amie ou un copain, faites autre chose et occupez votre esprit, vous l'avez bien compris. Alors, j'ai Everglade qui nous dit bonjour Everglade, mon moral est au plus haut, 63 kilos ce matin, alors que lorsque j'ai commencé le programme, je m'étais fixée à 70 kilos. Merci, tout cela est dû à tous vos conseils, merci, merci. Eh bien, un grand bravo Everglade, donc vous avez plus qu'atteint votre objectif, hein, vous êtes à 7 kilos en dessous de votre objectif. Maintenant, il faut bien faire la phase de stabilisation. Donc pour cela, échangez bien avec votre diététicienne dédiée qui va vous expliquer comment faire la phase de stabilisation en fonction de votre niveau calorique
de départ. Et sinon, sachez que vous avez également des conseils sur la phase de stabilisation au niveau de nos fiches pratiques et au niveau des vidéos que vous pouvez retrouver dans les vidéos à la carte et dans les fiches pratiques sur votre programme. Alors, j'ai Nadine qui est toute nouvelle, qui est en semaine 1, donc qui a commencé depuis 3 jours. Bonjour Nadine. Bonjour, pour la reprise du travail de nuit, couché à 7h30 et me voilà, je n'arrive plus à dormir. Alors, travail de nuit. Alors, tout d'abord, pour le travail de nuit, échangez aussi avec votre diététicienne dédiée parce qu'on a vraiment, pour tous ceux qui travaillent de nuit, des conseils adaptés pour ceux qui doivent manger la nuit, du coup, à cause du travail de nuit. Maintenant, si vous n'arrivez plus à dormir à cause du rythme décalé, n'hésitez pas sinon à vous faire aider, pourquoi pas, par de la mélatonine. C'est un complément alimentaire. Moi, personnellement, je l'ai donné à mon mari qui dormait très mal et depuis, il dort très bien. Donc, renseignez-vous auprès de votre pharmacien. Et c'est vrai que la mélatonine, pour ceux qui ont du mal à s'endormir, ça peut aider. Et on n'est pas du tout, il n'y a pas d'accoutumance possible, rassurez-vous. Alors, j'ai Yveline qui me dit « Delphine, je te remercie pour ta consultation de la semaine dernière qui m'a fait un bien fou. » Eh bien, un grand merci Yveline, c'est très gentil pour ce retour positif qui me fait du bien également. Alors, je vous lis. Je cherche vos petites questions. Alors, j'ai Moéa qui est en semaine 20 qui me dit « Bonjour Delphine, j'ai une question pour vous. J'ai commencé avec vous et là, je me suis aperçue que ce n'est plus vous qui me suiviez. Comment ça se fait ?» Alors, il est vrai que je peux être aidée, par exemple, par Claire. Certaines journées où j'ai vraiment beaucoup de questions, j'ai de temps en temps Claire qui vient répondre. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis là, ça va être aussi la période des vacances. Donc, si vous avez Claire, Lucie, Isabelle ou Lisa qui vous répondent, c'est tout simplement parce que j'ai pris des petits jours de congé. Donc, rassurez-vous, je viendrai vous répondre à nouveau. Mais il est vrai que de temps en temps, j'ai Claire qui m'aide actuellement. Alors, je continue. J'ai Evelyne. Bonjour Delphine. Si je prends 100 g de féculents avec 50 g de légumineuses, puis je prends du pain au repas de midi, merci pour tout. Alors là, c'est vrai que vous me faites du coup un repas un peu plus végétarien. Normalement, il n'y a pas de pain. Mais n'hésitez pas, là, je ne les ai pas en tête. C'est vrai que les championnes, ce sont Lucie et Isabelle qui répondent à toutes les questions nutrition, équivalence. Ce sont vraiment les championnes le mercredi, le lundi avec Jean-Michel Cohen et le vendredi. Reposez votre question, Evelyne, pour vraiment que je ne dise pas de bêtises à votre diététicienne dédiée, parce que là, je ne les ai plus en tête. J'aurais envie de vous dire, en fonction de votre niveau calorique de départ aussi, je ne l'ai pas sous les yeux, qu'il ne faut pas prendre de pain en même temps. Mais c'est vrai que là, ça dépend si c'est un menu végétarien ou pas. Alors, je continue. Donc là, j'avais les exemples de 10 sur 10 au niveau motivation, ça c'est super. C'est vrai que je vais m'adresser plutôt à ceux qui sont mis une mauvaise note au niveau motivation, mentale, au début de cette consultation. Vraiment, on va faire le maximum pour vous redonner de l'énergie positive et que vous puissiez augmenter ce score satisfaction. Alors, je cherche les petites questions. Là, je lis dans le désordre. Donc, du coup, morale, motivation 7, morale 2, je n'y arrive pas pour Linda. Alors, Linda qui est en semaine 4, n'hésitez pas, Linda, si vous n'y arrivez pas. Alors déjà, c'est vrai qu'il ne faut pas le voir comme un régime. Il ne faut pas le voir comme un régime parce que ce n'est pas un régime restrictif, c'est tout simplement un rééquilibrage alimentaire. Donc, pour vous motiver, pour vous guider au mieux, petit rappel, hein, il est vrai qu'il faut vraiment suivre, déjà bien comprendre les bases, c'est-à-dire la structure alimentaire journalière. Il faut également savoir que vous pouvez changer les aliments en vous aidant de la fiche pratique équivalence classique. Et puis, que dans la semaine, vous pouvez vous octroyer 2 à 3 petits écarts en vous aidant de la fiche pratique équivalence plaisir. Donc, vraiment, essayez de le faire au mieux. Si vous n'avez pas envie de suivre à la lettre nos suggestions de menu, ce n'est pas une obligation. De toute façon, il faut le savoir aussi, vous avez le système de switch. Hein, si vous avez dans une recette qui est souvent bleutée, vous pouvez cliquer dessus pour aller sur la recette. Si la recette ne vous plaît pas dans nos idées de menu, il y a une petite flèche à côté. Cliquez dessus, vous allez avoir la surprise d'avoir des suggestions différentes de recettes. Mais en tout cas, donc Linda, je vous envoie, envoyons à Linda une avalanche d'ondes positives parce qu'elle pense qu'elle ne va pas y arriver. Moi, je suis persuadée que vous allez y arriver. Et premier réflexe, déjà, vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est très bien. Deuxième réflexe, échangez chaque semaine avec votre diététicienne dédiée. Ça, c'est vraiment important également pour avoir ce suivi particulier une fois par semaine, c'est si vous êtes en membre classique.
Mais en tout cas, morale à deux, on va vous remonter le moral et vous allez nous donner des nouvelles. Hein. Par exemple, mardi prochain, vous reviendrez avec grand plaisir, Linda, pour nous dire justement où vous en êtes. Alors, j'ai regardé ce matin la consultation d'hier. Donc là, c'était Monique. Encore de bons conseils du docteur. Eh bien, merci, Monique. Ben, merci, Odeline. Delphine, vous êtes toute belle et adorable. Merci beaucoup. Vous êtes trop, trop gentille. Et je vous remercie à tous hein, pour tous vos messages super positifs que je peux recevoir alors de vous par ce chat ou bien en messagerie privée via le coaching en ligne. Vous êtes vraiment très, très, très gentilles. Alors, j'en ai certaines aussi qui m'envoient des photos de leurs vacances via le carnet alimentaire avec le fait. Alors là, j'ai plus. Alors, attendez, j'ai plus le nom en tête. Si, c'est Annie. Alors, je ne sais pas si elle est là avec nous aujourd'hui, mais un gros bisou à Annie qui m'a envoyé ses photos de vacances, qui a 73 ans, qui est en train de faire de la randonnée dans la montagne et qui nous a dit, qui nous a partagé son expérience et sa positivité en nous disant qu'elle était super contente de pouvoir refaire de la randonnée, qu'elle s'était jamais sentie aussi en forme à 73 ans et qu'elle était vraiment contente de pouvoir marcher, faire des randos, etc. Donc Annie, si vous nous voyez, en tout cas, merci pour tous vos messages super positifs et toutes les petites photos que vous m'avez envoyées via le carnet alimentaire. Alors, je continue. Je vous cherche. Je n'ai pas faim avant de manger, mais faim en fin de repas. Alors ça, c'est une bonne remarque, c'est assez rare. C'est une question de Daniel. Donc, je n'ai pas faim avant de manger, mais faim en fin de repas. Alors écoutez, moi, le conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est déjà, bon, c'est vrai que si vous n'avez pas faim avant de manger, normalement, il faut qu'on ait un petit peu faim avant un repas. N'hésitez pas à décaler l'horaire de vos repas. N'hésitez pas également à fractionner vos repas en vous octroyant des collations, hein, je vous l'ai dit. Pourquoi pas. Et du coup, si vous avez faim en fin de repas, peut-être que vous mangez trop vite. Donc, n'hésitez pas également à essayer de manger moins vite en mastiquant mieux, en mangeant doucement. Ça, c'est vraiment important. Donc, Daniel, si j'arrive à vous relire dans le chat, hein, n'hésitez pas à me confirmer si vous pensez que vous mangez trop vite, parce que justement, il va falloir travailler là-dessus. Alors, pas évident l'estime de soi. Donc là, c'est Flo Doja qui est en semaine 2. Pas évident l'estime de soi quand déjà on a l'impression de subir sa tenue vestimentaire plus que de la choisir. Alors, ici, il est vrai, et n'hésitez pas à me le dire. Alors, nous, on veut toujours s'améliorer, on veut toujours améliorer le programme. Pourquoi pas faire de nouveaux ateliers, des nouveaux thèmes, etc. dans les consultations de groupe du mardi ou des nouvelles consultations ou des nouveaux ateliers. Mais là, j'ai l'impression que ça va plus parler de la tenue vestimentaire. Donc, comment réussir à bien s'habiller, à ne pas être camouflé sous des peut-être que du noir, etc. quand on a beaucoup de poids à perdre ou qu'on ne se sent pas bien dans sa peau. Souvent, nous, les femmes, on se cache dans le noir. Et en fait, c'est vrai que le noir, eh ben, c'est pas vrai. On pense que ça fait pas grossir physiquement, mais en fin de compte, si que du noir, c'est triste. Et faut essayer de mettre un petit peu de couleur. Donc, n'hésitez pas à me dire Flo Doja, par exemple. Si vous pensez que vous auriez besoin, par exemple, de conseils en plus sur le programme, pourquoi pas, sur comment réussir à mieux s'habiller en fonction de sa silhouette. Enfin voilà, n'hésitez pas, j'espère que j'ai bien fait passer le message, mais à nous dire si des conseils sur comment ça s'appelle, l'image de soi, mais des conseils sur le relooking, entre guillemets, pourraient vous aider. Qu'on ait perdu du poids ou qu'on n'ait pas perdu de poids, parce qu'il est vrai quand on a perdu du poids, quelques membres ou peut-être un tiers de nos membres qui ont perdu du poids, des grandes pertes de poids, ne se sont pas vus mincir et ont toujours cette image d'elles-mêmes où elles se voient avec leurs 10, 15, 20, 30 kilos qu'elles avaient au départ. Donc, il y aurait un travail à faire peut-être sur comment réussir à m'habiller, à me sentir mieux et à trouver les bons vêtements une fois que j'ai perdu le poids, mais aussi quand j'ai le poids en trop, que j'arrive pas à faire partir ou qu'il va me falloir plusieurs temps, plusieurs semaines pour vraiment que ça parte. Hein, vous le savez, la moyenne, c'est 500 grammes à 1 kilo par semaine. C'est un très, très bon résultat. Donc voilà, quand on a pas mal de kilos, peut-être également des conseils sur comment réussir à s'habiller et comment vous aider à vous sentir mieux. Alors, je continue. Alors, j'ai Melbia qui me dit très appréciable que vous soyez là au mois d'août. Eh bien, merci beaucoup. Alors, pour info, c'est vrai, normalement, mardi prochain, je suis encore là pour ma dernière consultation avant mes vacances d'été. Après, ce sera Claire qui va me remplacer sur les prochains mardis. Donc, vous aurez ma collègue Claire qui prendra le relais.
Est-ce que je ne serai pas là? Souvent, je pars 15 semaines. 15 semaines. J'aimerais bien partir 15 semaines. Souvent, je pars 15 jours sur mi-août jusqu'à fin août. Mais en tout cas, je vous retrouverai avec grand plaisir à la rentrée. Mais je suis normalement là encore mardi prochain. Alors, je continue. Alors, en quatrième semaine, j'ai perdu 8,2 kilos et pour moi, rien n'a changé. Je ne me vois pas différente. Alors, Melbéa, vous avez perdu beaucoup de poids en 4 semaines. Hein. C'est vraiment un très, très bon résultat. Les autres, ne vous comparez pas à la perte de poids de Melbéa qui est vraiment très importante en peu de temps. Alors, si vous trouvez que vous n'avez rien changé, les conseils que je pourrais donner, j'en avais donné déjà là-dessus la semaine dernière, j'avais donné des conseils à ce niveau-là. N'hésitez pas. Alors, faites-vous des massages, faites-vous des automassages. Sous la douche, par exemple, faites-vous des massages avec une crème, etc., avec le gel douche. Si vous le pouvez, pourquoi pas, vous offrir un petit massage dans un institut, ça va également vous aider à mieux vous rendre compte de votre corpulence qui a changé. Et puis, prenez des photos de vous avant, après, en souvenirs, hein, des photos que vous gardez pour vous, des photos, du coup, en les comparant petit à petit, en vous envoyant les bonnes images, les bons messages positifs, vous allez vous voir différente. Mais c'est vrai que si, par exemple, pendant 20 ans, on a vécu avec ces 20 kilos en trop, du jour au lendemain, quand on les perd au bout de, ben, normalement, c'est au bout de 20 semaines, hein, 10, 20 semaines, eh bien, le cerveau peut mettre du temps à comprendre qu'il a perdu ses kilos. Donc, vraiment, conseil, c'est massage, prendre ses mensurations et puis se faire des photos où vous souriez, des photos où vous êtes jovial et des photos en sous-vêtements de profil, de face. Vous pouvez être aidé par votre conjoint, votre mari, si vous en avez un, en tout cas. Et je suis persuadée que d'ici quelques semaines, vous aurez une meilleure vision de vous-même et vous aurez compris que vous avez perdu ces kilos. Vous nous tiendrez au courant, en tout cas. Alors, j'ai Maryse. Bonjour, c'est ce que j'ai fait. J'étais pas bien et je mangeais toute la journée. Alors oui, quand on n'est pas bien, le fameux grignotage émotionnel. Qu'est-ce qui va nous procurer du plaisir qui est facile d'accès quand on en a dans les placards? Et quand on va pas bien, bah, qu'est-ce qu'on fait? Très souvent, on va avoir envie de grignoter pour compenser ce mal-être. On va vouloir combler un vide, combler un manque, combler un mal-être et du coup, on va manger. Manger sans faim, mais ce sont les fameux grignotage émotionnel. Donc, du coup, quand vous n'allez pas bien, eh bien, sortez, 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 vous oxygénez l'esprit, sortez, retrouvez une amie, retrouvez une voisine, allez faire une marche active, allez vous faire un petit plaisir, faites-vous une sortie au cinéma, faites-vous une sortie au théâtre si vous le pouvez, faites-vous une sortie au musée, essayez de voir ce que vous pouvez faire via la mairie, chez vous, au niveau des associations pour vous rendre utile. Vous verrez, vous vous sentirez de mieux en mieux petit à petit. Vous allez faire de nouvelles rencontres également. Et en tout cas, ce sont des petits conseils que je peux vous donner pour essayer d'aller mieux. Aider les autres, s'ouvrir aux autres, sortir et ne pas rester seul, ne pas rester seul devant la télé. Ça, c'est aussi la télé nous pousse à être sédentaire, nous pousse à grignoter via les publicités alimentaires, etc. Donc, vraiment, sortez, bougez, marchez. Et j'espère que ça ira mieux, en tout cas, Maryse. Alors, je ne vais pas pouvoir lire tout. Alors là, je continue, je continue. Ouf, alors oui, là, j'ai Melbia qui nous donne comme témoignage. J'ai été abandonnée par le papa de mon premier enfant alors que j'étais enceinte de 6 mois. Donc ça, ce sont vraiment, on vous envoie une avalanche d'ondes positives. Hein, n'hésitez pas à envoyer des petits mots gentils, doux, bienveillants à Melbia. Il est vrai qu'on a tous des histoires de vie différentes. On peut avoir tous connu des chocs traumatiques. Et c'est vrai que si on réfléchit à cela, si on repart dans notre passé, notre enfance, comment on a vécu notre enfance, notre relation avec nos parents, comment ça s'est passé, etc., souvent, on peut se rendre compte de chocs traumatiques qui peuvent être à l'origine du fait qu'on a envie de manger plus ou d'oublier peut-être via une alimentation plus riche et plus grasse. Donc, en tout cas, n'hésitez pas également, vous le savez, moi, je ne suis pas psychologue, je suis une passionnée de développement personnel. Mais par contre, n'hésitez pas, pour tous ceux qui ont eu des chocs traumatiques, à vous faire aider par des experts en psychologie, hein, des psychologues, des psychothérapeutes, etc. Ceux qui l'ont peut-être déjà fait, ce premier pas d'être aidé par un expert en psychologie, peuvent, pourquoi pas, dans le chat, nous raconter un petit peu leur aventure, si ça a marché, en tout cas.
Parce que c'est vrai que c'est une aide en plus. N'hésitez pas à vous faire soutenir et à demander de l'aide. En tout cas, ça peut être une écoute en plus et une écoute d'un expert qui vous apportera des clés et des conseils plus appropriés, en tout cas. Alors, donc voilà, j'ai Dimsy qui est toute nouvelle qui me dit faire une séance photo pour vraiment se rendre compte de sa beauté. Oui, un grand oui. Pareil. Donc, apprendre à s'aimer, apprendre à s'aimer, se sourire davantage et se faire, pourquoi pas, des séances photos, c'est très bien ça. Alors, là, c'était par rapport aux conseils. Là, voilà, on arrive sur mon atelier tout à l'heure. Alors, je reprends la question de mon atelier que j'ai plus sous les yeux, mais je vais vous la redire. C'était, quel conseil donneriez-vous à une amie qui a du mal à s'aimer? Mauvaise estime de soi. Donc, je redis la question. Partagez votre réflexion, idée, conseil dans le chat. Et donc là, via le chat, donc j'ai Dimsy qui disait faire une séance photo pour vraiment se rendre compte de sa beauté. Un grand oui. J'ai Chagnon qui nous dit, Solange, pardon, qui nous dit bien lui expliquer comment faire, l'aider à être près d'elle. Un grand oui également. Moi, je lui demanderais de faire une liste des choses qu'elle aime chez elle. Ça, c'est de Mandy. Et oui, et ça, c'est un très bon conseil. N'hésitez pas à le faire d'ailleurs pour vous-même. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Quelles sont les qualités que si vous deviez parler de vous et vous trouvez trois, quatre, cinq qualités, lesquelles seraient-elles? Et ça, c'est vraiment important de savoir ressortir ses qualités propres, bienveillant, souriant, positif, altruiste, etc. Quelles sont vos qualités pour s'en rappeler, pour se les ancrer? Parce que trop souvent, on va se focaliser, vous le savez, sur le négatif. On se focalise sur le négatif et on se focalise sur ce qui ne va pas. Ah là, je suis fatiguée. Ah, je suis nulle aujourd'hui. Ah, enfin voilà. Et on est sans cesse en train de s'envoyer dans notre cerveau des messages négatifs. Moi, j'aimerais que vous fassiez le contraire et que vous envoyiez chaque jour des messages positifs. Essayez de le faire, vous allez voir, ça va changer pas mal de choses. Mais en tout cas, très bon conseil, Mandy. Alors, je me tiens droite en rentrant le ventre, dit Claudine. Et moi, je me retiens droite. Voilà, parce que c'est vrai que ça y est, j'étais encore à nouveau courbée. J'ai 7 sur 10 pour Steph Balu, cette semaine stagnation du poids, Smith période des règles. Alors, la période des menstruations, ne vous inquiétez pas, il est tout à fait normal d'avoir soit une stagnation, soit même une petite prise de poids. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je lis la suite de votre message qui me dit pas juste encore une injustice homme-femme. Ben, écoutez, en tout cas, je vous redonne le sourire, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, si vous avez une stagnation cette semaine, ça veut dire sûrement que vous avez perdu du poids, mais ça se verra la semaine prochaine. Donc, patience. J'ai Manoun qui me dit savoir dire non quand on pense non. Mon gros souci, je le travaille au quotidien, suis trop gentille et accepte tout et ce depuis longtemps. Bon, alors déjà, Manoun, donc c'est Karine, déjà, c'est super que vous l'ayez écrit. S'en rendre compte, c'est un premier pas. Maintenant, eh bien, vous travaillez dessus au quotidien, vous êtes trop gentille et vous acceptez tout. Donc, à un moment, il va falloir penser à vous. Donc, sans vouloir vous transformer en égoïste, hein, soyez, pensez à vous et apprenez à dire non. Est-ce que ça vous fait plaisir de le faire? Est-ce que ça vous donne des contraintes de le faire? Eh bien, non. Et puis, si vous dites non, justement, eh bien, vous aurez aussi une meilleure estime de vous-même, on l'a vu tout à l'heure. Ouf, alors là, j'ai Anesso qui me dit, mon choc émotionnel, c'est ma fille qui est morte 4 jours après sa naissance. Alors, Ouf, on vous envoie un tsunami. Je sais, un tsunami d'avalanches positives. Hein. On est toutes avec vous là. Je pense que toutes les mamans se réveillent et on pense tous à vous. C'est un choc, bien évidemment, le plus dur qui puisse exister dans la vie d'une maman. Donc, j'espère, Anso, que vous êtes très, très, très bien entourée, entourée par les proches, entourée également par des experts en psychologie qui peuvent vraiment vous apporter une aide en plus et nécessaire. Donc, on vous envoie le maximum de positivité. Je sais que ça ne pourra pas changer grand-chose, mais en tout cas, on pense très, 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 très fort à vous. Alors, je continue. Voilà, justement, j'avais Nicole qui répondait à Anso de tout cœur avec toi, courage. Donc, voilà, c'est important. Merci de nous l'avoir écrit et ne soyez pas seule, soyez entourée.
Je continue. Alors, estime de soi, très bonne. Alors là, c'est Hugues. La famille et les amis me félicitent. Ça aide à continuer, même si dur, dur, à aller sous la barre des 80 kilos et réussir ton défi de l'IMC de 25. Mais on va y arriver ensemble. Alors là, Hugues, c'est normal, c'est la période des vacances. C'est la période des vacances et c'est la période de famille, où on est en famille, etc., où il y a des apéritifs, peut-être les restaurants, etc. Donc, il faut toujours jongler sur les équivalences plaisir, hein, vous le savez. Objectif, quand on est en vacances, n'hésitez pas à demander à votre diététicienne dédiée le principe des 50-50. À un repas, je vais faire moins attention, puis au repas suivant, je vais faire plus diététique. Voilà, c'est le principe des 50-50 pendant les vacances. Pendant les vacances, objectif, c'est peut-être ne pas perdre de poids, mais ne pas en prendre non plus. Voilà, donc du coup, Hugues, l'objectif du défi à passer à l'IMC de 25, parce que je sais que vous étiez à un IMC de 30 au départ, vous y êtes presque, si je ne me trompe pas, hein, vous êtes à 25 et demi ou 26 d'IMC, donc ça va arriver. Et sinon, au pire, on reprendra tout cela en septembre, à la rentrée, après les vacances. Alors là, je vais pas pouvoir lire tout le monde, donc du coup, je continue. J'arrive ici sur Orchidée qui me dit, on me dit aussi que je vais rester à ce poids-là maintenant, je ne suis pas d'accord, donc l'on me détourne de ma motivation, mais les personnes ne comprennent rien. Donc Orchidée, n'hésitez pas, c'est vrai que moi je n'ai pas votre poids de départ, votre poids actuel, votre IMC de départ, votre IMC actuel et le poids et l'IMC que vous souhaitez atteindre. Donc Orchidée, donc c'est plutôt Martine, hein, en prénom. Échangez bien avec votre diététicienne dédiée, c'est important parce que nous, on étudie donc l'histoire de votre prise de poids. On n'a pas le même discours en fonction de votre âge, en fonction de votre sexe, en fonction de l'histoire de votre prise de poids que vous avez échangé avec nous au tout début de votre programme, en fonction de votre IMC de départ. C'est vrai que je n'aurai pas le même discours si vous avez un IMC de 40 en départ qu'une membre qui a un IMC de 22-23 et qui veut juste perdre 3-4 kilos et encore. Donc du coup, voilà, c'est vraiment important. Je ne vais pas vous répondre en direct ici au chat, mais échangez Orchidée, Martine, avec votre diététicienne dédiée pour qu'on puisse nous donner notre avis sur l'IMC que vous souhaitez atteindre. Alors, j'ai Annie qui me dit, il semblerait que la mélatonine soit contre-indiquée si l'on prend un substitut hormonal pendant la ménopause. Alors là, vous me posez une colle. C'est vrai que du coup, pour vraiment vérifier s'il y a une contre-indication ou pas, n'hésitez pas à en parler à votre pharmacien. Expliquez-lui et il vous le dira ou pas. Si la mélatonine, c'était mon conseil tout à l'heure pour ceux qui dorment mal, peuvent en prendre si c'est contre-indiqué ou pas, si vous êtes ménopausée avec un substitut hormonal. Je n'ai pas la réponse. C'est vrai que je ne suis pas médecin. Alors, je continue. J'ai Jupron, donc Kiscoulette, qui me dit, entre les repas, peut-on boire du café ou thé sans sucre sans interférer dans le régime? Eh bien, un grand oui. Alors ça, c'est pareil, c'est encore une question de nutrition, mais c'est pas grave. Donc du coup, le café, le thé, les tisanes, vous pouvez en boire. Alors le café, le thé, maximum 3 cafés ou 4 cafés ou 3 à 4 thés à cause de la théine et de la caféine, hein, parce que c'est un excitant. Et bien évidemment, sans sucre, vous me l'avez notifié. Donc du coup, édulcoré, sinon, ou sans sucre. Édulcoré avec de la sucralose ou de la stevia. J'ai Corinne qui me dit, bonjour Delphine, et à tous, en semaine 13 à 1200 calories, perdu 5 kilos en 3 mois, car beaucoup d'écarts sucrés, les Mirabelles mûrissent, aïe aïe aïe, les bonnes tartes, j'en rêve, motivation 6. Bah, écoutez, si vous avez fait des écarts, en plus on est en période festive, entre guillemets, de vacances, donc 5 kilos en 3 mois, c'est correct, parce que vous avez vous-même dit que vous faisiez des écarts. Après, les Mirabelles, moi pareil, j'adore les Mirabelles. Faites-vous de temps en temps des petites tartes. N'hésitez pas à regarder nos suggestions de recettes de tartes que vous pouvez retrouver dans votre programme. Hein. Pour rappel, je vous le dis, mais je ne le dis pas assez, vous avez plus de 2000 recettes légères et gourmandes dans votre programme en ligne. N'hésitez pas à être curieux, à les regarder, les suggestions de desserts qu'on vous propose, etc. Et à bien jouer avec les équivalences qui se trouvent en haut de la recette par rapport à votre structure alimentaire journalière pour incorporer un petit plaisir de temps en temps en jouant avec des équivalences. Alors, je continue.
Alors, ce qui est génial, c'est que vous vous envoyez des messages positifs. Là, par exemple, j'en tombe un. Vous motivez entre vous via le chat. Donc ici, j'ai vos gros mots. Donc Claire qui dit à Papel, Papel, veux-tu relever la tête et te dire le matin au lever, tout va bien. Je vais vivre le moment présent. Allez, courage. Ah oui, les meubles ne bougent pas non plus tout seuls. Sinon, ce serait pratique. Courage, courage. Donc super, vous envoyez des petits messages positifs, c'est génial. J'ai Marise qui me dit le moral, j'ai 10, mais ça fait que 2 jours que je suis au régime. Alors, vous employez le mot régime et moi, j'aime pas ce mot-là. Moi, je préfère que vous disiez que ça fait 2 jours que vous êtes dans votre rééquilibrage alimentaire. Donc, du coup, gardez ce moral. Moi, ma phrase clé, vraiment, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est votre motivation et votre positivisme sont les moteurs de réussite, de votre réussite bien-être. Vraiment, c'est important. Et puis, il est normal, durant un programme de rééquilibrage alimentaire, d'avoir aussi des petites baisses de motivation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une petite baisse de motivation? Eh bien, pourquoi pas réécouter en replay une consultation de groupe, tout simplement. Pourquoi pas faire un petit tour dans le forum, un petit tour dans les groupes de soutien, échanger avec votre diététicienne dédiée, pardon. Et puis, voilà, vous le savez, vous n'êtes pas seul. Donc, essayez d'être positif. Quand vous sentez aussi, vous avez une baisse de morale, eh bien, vous connaissez mon exercice de la visualisation positive, hein, c'est-à-dire que vous sentez que ça va pas bien, vous commencez à ruminer des choses négatives. Hop, vous allez vous fermer les yeux et vous allez vous concentrer sur quelque chose qui vous rend heureux. Ça peut marcher aussi avec des photos, hein, mais regardez des photos, faites-vous un album de photos sympa qui va vous donner plein d'énergie positive quand vous les regarderez. Donc voilà, donc ça c'était mon petit conseil et je continue de vous lire. Alors, j'ai Sandrine, pendant une semaine je perds et la semaine suivante je reprends ce que j'ai perdu. J'ai des difficultés à arrêter de grignoter. Le moral est au plus bas et la motivation est difficile à tenir. Alors là, du coup, Sandrine, moi je vais vraiment vous inviter à échanger avec votre diététicienne pour travailler un plan d'action anti-grignotage. Donc, si j'ai bien compris, pendant une semaine, vous perdez, parce que vous arrivez normalement à bien suivre notre structure alimentaire journalière. Et puis, la semaine suivante, bah, vous recraquez et vous recraquez sûrement sans faire d'équivalence plaisir. Parce que faut le savoir, hein, et vous le savez normalement tous, il est possible de se faire de petits plaisirs, mais à condition de les rembourser dans la journée ou le lendemain en faisant en remboursant l'écart s'il y a écart. Donc, allez regarder les équivalences plaisir dans votre programme. Allez regarder aussi comment gérer les écarts. Et puis, demandez à votre diététicienne dédiée notre plan d'action pour justement arrêter de grignoter. C'est important pour apprendre à limiter le grignotage. Et puis, essayez vous-même de comprendre pourquoi vous grignotez. Quand est-ce que vous grignotez? À quel moment de la journée et quelles sont les émotions qui vont vous envahir quand vous grignotez? Est-ce que c'est le soir devant la télé? Est-ce que c'est quand vous vous ennuyez? Est-ce que c'est au bureau parce que les collègues de bureau ne font que grignoter également? Est-ce que c'est pour décompresser du stress en fin de journée? Enfin voilà, il faut essayer de mieux comprendre quand est-ce que ce moment de grignotage apparaît pour essayer de le combattre. Donc, échangez aussi donc avec votre diététicienne qui vous donnera des petits conseils en plus. Alors, j'ai Daniel qui me dit, je ne pense pas manger trop vite, mais c'est vrai que c'est important ça, apprendre à déguster. Et pour tous ceux qui auraient envie de se lancer le défi de manger moins vite, hein, je vous challenge, si vous n'avez pas déjà vu, de revoir les replays de mes consultations de groupe qui en parlent avec l'atelier, l'art de la dégustation, 8 conseils pour apprendre à manger moins vite, etc. Revisionner, réécouter, parce qu'il n'y a pas besoin de regarder à chaque fois, vous pouvez tout simplement écouter la consultation. Et c'est vraiment important d'apprendre à manger moins vite. On mange tous trop vite. Alors, je continue, je continue. Alors, j'ai un petit retour positif, je pense, de René qui nous dit merci à Lucie et au docteur Cohen pour leurs bons conseils d'hier. C'est toujours un plaisir de vous voir, Delphine. Et ce grand partage si enrichissant entre toutes et tous, un grand merci. Eh bien, un grand merci, René, pour votre retour positif. Ça nous fait plaisir. Alors oui, pour les problèmes vestimentaires, il y a Christina Cordula et les reines du shopping. Pas de sable, c'est vrai. Mais par contre, vous l'avez vu, hein, Christina Cordula et les reines du shopping, très souvent, il n'y a pas de personnes qui sont un peu plus fortes, un peu plus rondes. Ce serait bien aussi de pouvoir aider justement à mieux s'habiller, à trouver les bonnes couleurs, les bonnes tenues, les bons tissus, les bonnes textures. Enfin bref, vous m'avez compris, en faisant, pourquoi pas, en créant le Christina Cordula spécial, j'ai des formes et j'assume. Voilà.
Alors, j'ai Annie qui me dit, mon stress professionnel fait que je me réveille très souvent la nuit. Donc, fatiguée la journée et donc grignotage dans l'après-midi et le soir. J'ai essayé la mélatonine, mais suis incertaine au sujet du dosage. Je prends un traitement hormonal. Merci de votre réponse. Alors, il va vraiment falloir, du coup, Annie, que vous travailliez sur la gestion du stress. Comment faire pour réussir à être moins stressée? Donc, n'hésitez pas, par exemple, à essayer de faire de la relaxation, de la méditation, à apprendre à faire aussi des respirations. La respiration sous la cohérence cardiaque peut également vous aider. Donc voilà, essayez vraiment de travailler là-dessus. Donc vous êtes fatiguée, vous avez testé la mélatonine. Renseignez-vous, parce que du coup maintenant vous m'avez donné un doute, hein. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien par rapport au traitement hormonal, si c'est bien compatible avec la mélatonine. Et puis vraiment travailler cette gestion du stress. Comment faire pour justement mieux gérer votre stress? Pourquoi pas, Annie, essayer de vous faire pratiquer une petite activité sportive si vous le pouvez. Pourquoi? Parce que le sport va vous aider aussi à mieux gérer le stress. Donc voilà, le travail, la gestion du stress, le travail du stress, avec des conseils comme essayer d'augmenter votre activité physique si vous le pouvez. Relaxez-vous davantage, trouvez du temps pour vous. Le soir, quand vous arrivez chez vous, il faut se décompresser, donc prenez soin de vous, travaillez sur votre respiration, lâchez les soupapes et puis vraiment essayez d'apprendre à mieux dormir sans stresser et sans ruminer sur vos problèmes de boulot. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand vous vous couchez le soir, réfléchissez à des choses, à vos futures vacances ou à vos vacances passées qui se sont bien passées, etc. Et vraiment pensez à des choses positives avant de vous coucher. Super important. Et ne vous couchez pas, bien évidemment, avec le smartphone dans les mains. Hein. On ne le dira jamais assez, mais c'est vrai que maintenant, au 21e siècle, on est tous ultra connectés. Et le soir, si vous avez du mal à vous endormir, éteignez la télé, lisez tout simplement, revenez aux choses simples et lisez, pourquoi pas, un bon livre dans votre lit, une petite demi-heure avant de vous coucher pour justement réussir à vous rendormir plus facilement. Alors, je continue. Je vais lire encore quelques petites questions. Et je vais passer par la suite, vous le savez, à ma citation positive et visualisation positive de la semaine. Alors, j'ai Didia qui nous dit « Je répète, moins 27 cm de tour de ventre avec le programme. Donc, les filles, soyez confiantes, persévérantes et assidues. » Donc, ça, c'est génial. Merci, Didia, de votre super perte de mensuration, 27 cm de tour de ventre, c'est super. Alors, justement, Melbea qui dit d'être bien entourée, c'est important et moi, je le suis. Oui, entourez-vous de personnes bienveillantes. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être un peu trop, négatives ou à raconter tout le temps leurs problèmes, etc. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas les écouter, mais entourez-vous de personnes bienveillantes, c'est important. Alors, je lis. Je suis suivie par un kinésiologue et je me sens de mieux en mieux. J'apprends à avoir confiance en moi. Je le conseille à tous et à toutes pour ceux qui ont des problèmes de confiance en soi et de stress. Eh bien, un grand merci, René, pour ce retour. Un kinésiologue, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas au courant ce que c'est comme métier, à regarder sur Internet le kinésiologue qui peut donc vous aider pour améliorer votre confiance en soi et la gestion du stress. Donc, j'ai Evelyne qui me dit tout à l'heure, je demandais si vous aviez été aidé certains par des psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, etc. Et là, c'est Evelyne qui répond à Melbea, j'ai 65 ans et je me suis fait aider par une psychiatre à 50 ans. J'avais été dans un orphelinat à l'âge de 6 ans, mes parents m'ont reprise, j'ai toujours souffert d'un sentiment d'abandon. On peut aller mieux, on n'oublie pas, mais ces souvenirs ne font plus souffrir. Je vous souhaite bon courage amicalement. Il y a un grand merci pour ce témoignage. Et on est très contente que vous alliez mieux et de mieux en mieux. Alors, altruiste, Monique, car je donnerais tout ce que j'ai, mais souvent à me plaindre, je ne le veux plus. Et croire que j'ai des tas de maladies, c'est tout simplement une déformation professionnelle. J'ai appris à dire non aussi et maintenant. Eh bien, un grand bravo. Et c'est vrai que tout à l'heure, je vous demandais quelles sont vos qualités. Donc, n'hésitez pas à vous trouver, à rechercher vos qualités. C'est important. Et puis à vous le dire tous les jours. C'est important aussi. Peut-être pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Alors, dernier petit message que je vais lire et je vais passer à ma citation visualisation.
Alors, je cherche. Alors, conseil à une amie pour Canelia qui nous dit, notez sur des petits mots les choses positives qui la définissent ou de ce quantité ou de ce... Oh, j'arrive plus à parler, ça y est, désolée. Et vous savez, je reprends. Canelia, elle donne comme conseil pour une personne qui aurait du mal à s'aimer, à avoir une mauvaise estime d'elle-même. Conseil, notez sur des petits mots les choses positives qui la définissent ou de son quotidien, se faire plaisir. Un grand oui. Alors, je continue. Je continue, je l'ai. Alors, pour les chocs émotionnels, l'homéopathie aide bien. 4 jours suivis. Alors là, vous nous donnez quasiment les dosages. Sulfure dose, 30 CH, 15 CH, 12 CH, 9 CH permet de faire sortir les émotions récurrentes. Alors, il est vrai que l'homéopathie peut également aider pour se sentir mieux si vous avez eu des chocs émotionnels. Donc, n'hésitez pas, pareil, l'homéopathie, c'est à base de plantes, hein, vous le savez, peut également en parler à votre pharmacien. Alors, je termine. Alors, j'ai Sandrine. Pourquoi m'a-t-on proposé en début de semaine dernière? On m'a dit qu'un professionnel m'appellerait et je n'ai toujours eu personne. Ça me démoralise, donc pas bon pour mon régime. Donc, rassurez-vous, Sandrine. Donc là, je vais de suite en parler à Morgane, hein, qui est responsable du service abonné. Donc, Sandrine, je pense que là, c'est peut-être la période aussi de un peu de vacances. Il y a un peu moins d'effectifs pour répondre à tout le monde. Mais en tout cas, j'en fais part de suite à Morgane à la fin de ma consultation. Et rassurez-vous, vous aurez de ces nouvelles, en tout cas dans un premier lieu, par écrit, pour par la suite avoir ce petit rendez-vous avec l'appel téléphonique qu'on vous avait promis. Alors, je continue. Allez, un dernier, parce que je suis bavarde, hein, j'ai envie de rester avec vous, mais l'heure tourne. Un dernier petit message. Alors oui, les fleurs de Bac, ça peut aussi aider, bien évidemment, pour les émotions. Et puis, tout ce qui est… Alors là, j'ai les professeurs de yoga, psychothérapeutes, psychologues, cliniciennes. Dernièrement, je m'en sors tranquillement maintenant. Positive, allez de l'avant, même si c'est long. Eh bien, un grand bravo, Monique, pour vos progrès, en tout cas. Allez, je partage avec vous maintenant, vous le savez, c'est bientôt la fin de notre consultation. Je partage ma citation et ma visualisation positive pour… Vous souhaitez une très très belle fin de semaine. Alors attendez, je suis en train de rechercher mon petit doc qui est rien que pour vous. Hop, partagez. On est là. Et je reviens sur mon document. Hop, présente. Et on est bon, visualisation positive. Alors ici, bah, tout simplement deux petites images pour justement illustrer l'estime de soi, le fait d'apprendre à s'aimer. Donc, première image, hein, c'est à vous de… Qu'est-ce qu'elle vous dégage? Qu'est-ce que vous ressentez sur cette première image? Avec les mains, le sable, ça sent un peu les vacances. Qu'est-ce si vous aviez un mot-clé à faire ressortir, hein? Aimer, sérénité. Et puis, la deuxième image, vous pouvez voir une jeune femme qui s'enlace dans son miroir, eh bien, je trouve que ça illustre très bien le fait d'apprendre à s'aimer. Donc, quand vous regardez dans le miroir, envoyez-vous des phrases positives, des phrases bienveillantes pour aussi apprendre à s'aimer petit à petit. En tout cas, c'est important. Et je trouvais que cette visualisation positive était une des clés de ce que je voulais vous faire partager comme image et message aujourd'hui. Et je termine avec ma citation positive de la semaine. S'estimer soi-même est le meilleur moyen d'être aimé tout au long de son existence. D'Oscar Wilde. S'estimer soi-même est le meilleur moyen d'être aimé tout au long de son existence. Voilà, bah écoutez, j'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez augmenté votre score motivation, satisfaction. N'hésitez pas à me le dire à la fin de la consultation en chat et j'aimerais le lire avec grand plaisir. Moi, en tout cas, j'ai été vraiment très contente de vous avoir et de partager cette petite heure avec vous. J'espère que vous aurez trouvé des petites clés pour vous améliorer, pour progresser, pour apprendre à vous aimer, pour améliorer votre estime de vous-même. Et en tout cas, moi, je vous retrouve du coup mardi prochain pour ma dernière consultation avant les vacances d'août. Je vous souhaite plein de belles choses. Et n'oubliez pas, vous retrouvez également donc demain
Ce sera Lucie pour la consultation de groupe 100% diététique. Jeudi, ce sera Morgane ou JMB pour la consultation sur comment fonctionne votre programme. Et vendredi, pour finir en beauté, encore Lucie, parce qu'on a Isabelle qui est en vacances. Donc, Lucie pour une consultation 100% diététique, 100% nutrition. Moi, je vous retrouve mardi prochain, même heure à 13h. Si vous avez des idées de thèmes ou d'ateliers, n'hésitez pas à me faire des suggestions à la fin du chat. Vous le savez, je laisse le chat ouvert un quart d'heure, 20 minutes pour que vous puissiez échanger entre vous. Et en tout cas, n'hésitez pas, vous avez des idées d'amélioration du programme, de nouveaux thèmes, n'hésitez pas à nous le dire, à nous l'écrire. J'en prendrai note et je viendrai les lire. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, c'est important. À bientôt.